Salut les joueurs, je vais vous partager une technique roulette que j'adore utiliser quand je joue au casino. Donc c'est une astuce qui permet de gagner gros en misant peu. Bien sûr, il faut un peu de chance, vous connaissez les risques du casino, mais ça vaut vraiment le coup. Donc restez bien concentrés jusqu'à la fin pour bien comprendre la technique roulette. Donc déjà, vous pouvez faire cette astuce dans un vrai casino ou sur un casino en ligne. Si vous le faites sur un casino en ligne, comme d'hab, je vous conseille la European Roulette sur laquelle je suis. Donc, je vous ai mis le lien dans la description. Ensuite, il vous faut un budget de 100 euros. Ça, c'est l'idéal. Si c'est trop pour vous, vous pouvez mettre 50. Mais alors, il faudra diviser toutes les mises par deux. Donc, l'idéal pour moi, c'est d'avoir 100 euros de budget. C'est une technique en 4 étapes. Et la première étape, donc, c'est sûrement la plus difficile. On va miser 20 euros sur le rouge en espérant que ça passe, bien sûr. Donc là, on a une chance sur deux. 19 rouges, ça passe. Donc 40 euros de gagné. Et maintenant, on passe à la deuxième étape. Cette fois, on va mettre 20 euros sur la première douzaine et 20 euros sur la troisième douzaine. Là, on a environ 2 chances sur 3 de gagner 60 euros. Il faut que ça tombe sur des petits chiffres ou sur des gros chiffres. Gros chiffres, c'est bon. Donc 60 euros. En fait, là, on a déjà triplé notre mise de départ. Et maintenant, troisième étape. On place 30 euros sur la première ligne et 30 euros sur la troisième ligne. Et donc là, on a une fois de plus 2 chances sur 3 de gagner, mais cette fois-ci pour gagner 90 euros. Ça passe, troisième ligne, donc on a gagné 90 euros. Donc on arrive déjà à l'étape finale, les gars, la cerise sur le gâteau, ça va être pair ou impair, even ou odd. Donc déjà, on va sécuriser notre mise de départ, hein, les 20 euros, et on va miser 70 euros. Sur paire. Dans tous les cas, on n'aura rien perdu parce que on a mis de côté notre mise de départ, hein, celle qu'on avait mis les 20 euros sur le rouge au début. Donc si on tombe sur paire, on aura fait 140 euros de bénéfice net. Donc c'est parti, on perd les doigts, on perd les doigts, on croise les doigts, pardon, je bug, je suis concentré. Allez, 8 paires, magnifique. On faut avouer que j'ai eu quand même de la chance là de réussir les 4 étapes du premier coup. Mais si jamais vous n'arrivez pas jusqu'au bout, hein, du parcours, vous pouvez la retenter comme vous avez le budget de 100 euros. Ça vous permet de recommencer 5 fois. Bon, allez, je vais la retenter. On va voir si j'ai de la chance encore. Donc 20 euros sur le rouge. Et si vous voulez jouer sur la même roulette que moi, hein, je vous ai mis le lien dans la description. Allez, go. L'étape la plus difficile à passer. Ok, ça passe. Donc maintenant, si vous avez bien retenu, on va mettre 20 euros sur la première douzaine et 20 euros sur la troisième douzaine. On lance. On va voir ce que ça donne. Et ça passe. Donc là, on est déjà à l'étape 3, qui est de mettre 30 euros sur la première douzaine, la première ligne, excusez-moi, et 30 euros sur la troisième ligne. On croise les doigts. Ça passe, magnifique. Et là, même chose qu'avant, 70 euros sur paire, avec les 20 euros de côté pour ne rien perdre si jamais ça ne passe pas. Si ça passe pas, on recommence tout simplement. Et ça passe encore. C'est assez beau. C'est assez beau, c'est assez beau. Donc là, j'ai fait 280 euros de bénéfice. J'ai réussi à le faire 2 fois d'affilée. On recommence. Donc, 20 euros. Sur le rouge, ça ne passe pas. Je recommence. Bon, je peux me permettre de perdre quelques coups puisque là, j'ai quand même accumulé un bon bénéf. Donc, le rouge, ça passe. Maintenant, vous commencez à capter 20 euros sur la première douzaine, 20 euros sur la troisième douzaine. Et je lance. Le 2, ça passe. Ensuite, l'étape suivante, 30 euros cette fois-ci et non pas 20, 30 euros sur la première ligne, 30 euros sur la troisième ligne. Je lance. Donc à chaque fois, si je perds là, je perdrai 20 euros, c'est-à-dire les 20 euros. Ah, les 20 euros que j'ai mis pour commencer sur le rouge. Donc je recommence. C'est parti. Alors, le rouge, ça passe. Maintenant, 20 euros première douzaine, 20 euros troisième douzaine. Ok, ça passe. Et maintenant,
30 euros première ligne, 30 euros troisième ligne. Alors, est-ce que ça va passer? Ça passe. Et donc là, maintenant, les gars, le coup ultime, est-ce que ça va passer? Parce que dans tous les cas, je vais m'arrêter là, que ce soit gagnant ou perdant. Et non, c'est perdant. Donc les gars, je vais m'arrêter là. J'espère que la technique roulette vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle astuce. Ciao.